Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Que Dieu soit béni pour votre présence. Merci pour l'amour de la vérité qui vous anime. Et Dieu travaille, Dieu est bon et il fait une belle œuvre qui nous encourage tous. Merci à vous tous qui aimez la vérité, qui soutenez le travail que le Seigneur fait. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour vos soutiens, pour vos prières, également pour vos mêle vos réactions également. Seigneur, nous bénissons ton nom pour mes frères et sœurs, nous bénissons ton nom pour la parole, pour la vérité qui nous a franchis. Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'œuvre de la croix, au nom de Yeshua, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, que ton nom soit glorifié, soit magnifié. Nous te prions ainsi, Père de gloire, au nom de Yeshua. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, donc ma sœur Marie-Thérèse ainsi que son époux sont là également pour nous parler rapidement de ce qui se passe avec les veuves. Et donc la construction de la maison d'accueil des veuves se poursuit normalement. Oui, là c'est... Je pense pas que les gens entendent, parce qu'il faut être plus proche du micro. Et voilà. Là, par la grâce de Dieu, on a vraiment bien avancé, donc je pense que par la grâce de Dieu encore, on va pouvoir... Voilà. Merci. Mm-hmm. Je pense que Villa Samuel va pouvoir envoyer un missionnaire au mois de janvier, là. D'accord. Avant les 10, pour pouvoir aller faire la finition. D'accord. Et puis, par la grâce du Seigneur, comme Salomon avait fait, lorsqu'il avait construit la maison du Seigneur, il avait dédicacé après. Puis, nous irons au mois de février pour, si je peux dire, aller remettre la clé aux veuves qui seront hébergées là-bas. Mm-hmm. Parce que ça va faire 10 ans. Donc, c'était que l'œuvre faisait que l'accueil de veuves, mais ce n'était pas l'œuvre n'hébergeait pas. Mm-hmm. Donc, on avait mis un programme. Il fallait attendre que la maison soit achetée. Par la grâce du Seigneur, on a acheté, on a commencé. Et là, bientôt, on va finir. Et puis, bon, après, on va faire l'hébergement de veuves. Gloire donc, à Dieu. Le Seigneur, vraiment, Il y a combien de veuves actuellement? Là, en ce moment, il y en a 157, 160 qui viennent. Même pour les... On ne peut pas les héberger. Hein, d'accord. Parce que, vraiment, mais elles sont régulièrement, elles sont nourries chaque mois, elles sont chaque jour. Régulièrement, oui, on s'occupe d'elles. Et là, maintenant, on va héberger quoi, une vingtaine, une trentaine. D'accord. Celles qui sont vraiment... Une fois que la maison sera terminée, la construction. Oui, la construction va finir là, donc il ne reste pas grand-chose. D'accord. Donc là... Que Dieu soit béni en tout cas. Ouais. Merci pour ce travail hein, qui se fait. Nous bénissons le Seigneur, parce qu'il faut venir en aide aux nécessiteux. Et voilà l'évangile que le Seigneur nous a laissé. Donc l'inauguration aura lieu, je pense, en début de l'année prochaine. Oui, ça sera le 27 février. D'accord. Et puis, on aura les images. Hein. Oui, bien sûr. Ok, bien sûr, les images sont là. Ok, donc on va diffuser ça après. Oui, voilà. Vous aurez les images et tout. J'ai béni Dieu pour cela. Gloire à Dieu. Pour sa fidélité. Gloire à Dieu. Alors, merci Seigneur. Donc, de toute façon, il y aura. On va préparer toutes ces images que vous avez données et on va s'organiser pour bien diffuser ça. Alors, mes amis, la parole dérange, hein, la vérité dérange, la vérité titille. Ben, on n'est pas là, comme Paul disait, est-ce la faveur, est-ce les hommes que je prêche ou Dieu? Est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle des hommes? Si je plaisais, disait-il, encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc on n'est pas là, bien sûr, pour plaire aux gens quand nous apportons la parole. Et ça, je pense que ceux qui connaissent un peu le message qui est véhiculé via TV de vie, Radio de vie, savent que depuis le commencement, nous n'avons pas d'ambition, de projet de plaire aux hommes. Hein? Donc nous voulons plaire au Seigneur et partager toute la parole de Dieu. Paul disait dans Actes chapitre 20, « Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. » Donc nous devons prêcher le plein évangile, pas seulement des choses qui nous plaisent, qui nous arrangent. Et des chrétiens sont dans la joie, certains chrétiens, quand on dénonce des faux pasteurs. Ils acclament. Mais quand on commence à toucher aux choses qui les touchent eux, qui les concernent directement, eh bien là tu vois des réactions en disant, ben non, ce n'est pas le message du temps. Mais moi, quel est le message du temps? Dénoncer les voleurs, c'est le message du temps. Dénoncer l'arnaque, c'est le message du temps. Dénoncer les abus, aussi bien dans les églises que dans les familles, n'est-ce pas? C'est le message du temps.
Donc, et d'ailleurs, et, ceux qui prêchent l'évangile, hommes ou femmes, ceux qui sont enfants de Dieu, ne prêchent-ils pas parce que Dieu leur demande de prêcher? Ne devraient-ils pas prêcher parce que Dieu leur dit « prêchez-moi tel message » Ou est-ce qu'ils devraient prêcher parce que des chrétiens leur disent « non, 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 c'est le message, il faut prêcher tel message actuellement parce que c'est le message du temps ». Non, on doit se laisser guider par le Seigneur. N'en déplaise aux gens, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, on ne veut pas être manipulé, contrôlé par qui que ce soit. On veut annoncer l'évangile comme Dieu nous le communique. Voilà. Donc, hier, pour ceux qui nous ont suivis, il y a eu un enseignement sur la dot. Et il y a eu quelques réactions. Mais je me dis, mais ce n'est pas la première fois que nous dénonçons la pratique de la dot. Il y a eu déjà plusieurs enseignements par rapport à cela. Plusieurs interventions sur la dot. Et des gens qui se disent chrétiens vont parler de la dot, exiger la dot, condamnant leurs propres enfants, condamnant d'autres personnes parce qu'ils n'ont pas les moyens, ces hommes et ces femmes. Dieu nous permet de rencontrer différentes personnes ici et là. Parfois, des frères que nous rencontrons nous disent nous ne pouvons pas nous marier, en parlant bien sûr des frères d'origine africaine, ou aussi indienne, parce qu'il y a aussi la dot en Inde. Ils ne peuvent pas se marier parce que tout simplement, ils n'ont pas l'argent ou les choses exigées par leur belle famille. Ils ne peuvent pas se marier et ils vivent ainsi dans, n'est-ce pas, le péché. Ils se cachent. Je ne sais pas si vous avez ce problème, hein, Alain, au Gabon. Donc, on voit vraiment que... il y a vraiment un malaise dans le milieu, notamment dans ce milieu, hein, parce que la dot en France, elle était exigée à une époque, c'est fini au jour d'aujourd'hui. Et il y a vraiment un malaise et on met de joug sur les gens. Et bien évidemment, ce message ne peut pas plaire à certaines personnes qui en ont fait un commerce. Mais il faut qu'on partage le plein évangile. Voilà. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. L'enseignement sur la dîme a beaucoup libéré les gens. Il y en a qui disaient, mais ce n'est pas le message du temps. Il ne faut pas le prêcher. Cela n'est pas salutaire, mais pourtant beaucoup sont délivrés par ce message. Beaucoup, une fois qu'ils ont compris que la dîme n'était plus d'actualité, eh bien avec leurs moyens, leur argent, ils arrivent à aider les pauvres. Ils arrivent à aider les nécessiteux. Donc, vous voyez bien que quelque part, ce message était salutaire et ça a libéré les gens de ce joug. Eh bien, ce message, beaucoup de chrétiens ont acclamé le Seigneur par rapport à la dîme, bien sûr, parce que ce message dérange plus des pasteurs qui se servent de cet argent pour, bien sûr, s'enrichir, pour la plupart. Maintenant, quand l'enseignement sur la dot arrive, là, c'est plus le peuple, entre guillemets, qui est concerné, eh bien là, il y a des réactions, bien évidemment. Mais quand le Seigneur enseignait, je me rappelle encore une fois, comme quelqu'un me le rappelait tout à l'heure, les apôtres sont allés le voir pour dire, Seigneur, sais-tu que les pharisiens sont scandalisés, hein, des paroles qu'ils ont entendues? Mais quand on annonce l'évangile véritable, il faut qu'il y ait de scandale, c'est biblique. Le Seigneur dit qu'il est impossible qu'il n'arrive de scandale. On n'est pas une religion, tes vœux de vie n'est pas une église. Donc, on n'est pas là avec des oignes qui sont quelque part, qui doivent à tout prix, mes amis, nous dire quoi prêcher et quoi ne pas prêcher. Non, nous voulons répondre correctement à l'appel du Seigneur. Voilà. Je me rappelle encore il y a quelques semaines, une sœur, j'ai eu une sœur au téléphone qui me disait, Dieu m'a dit de te dire que tu dois prêcher tout ce qu'il t'enseigne. Donc, je dois prêcher toutes ces choses-là. Et je tiens à le dire encore ce soir, je ne suis pas là pour vous plaire. Je n'ai jamais cherché à plaire à qui que ce soit, n'est-ce pas? Je cherche à plaire à mon Dieu. Et l'évangile que nous prêchons, le retour à la parole, va libérer ceux et celles que Dieu a destinés à ce message. Voilà, et c'est ça l'évangile que nous voulons proclamer. Et une fois encore, le Seigneur a été interpellé par un pharisien, un homme charnel qui disait... Seigneur, sais-tu qu'en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu outrages. C'est un docteur. Parce que le Seigneur était en train de fustiger les œuvres des pharisiens qui mettaient des lourds fardeaux sur les gens et qui ne les rémunéraient même pas avec leur bout de doigt. Et le Seigneur se tourne vers ce docteur en disant, vous aussi docteur de la loi, hypocrite.
Et rappelez-vous bien que je me rappelle ce jour-là, le Seigneur était invité chez un pharisien. Hein, et il a commencé à les dénoncer chez le pharisien. Donc nous n'avons pas, nous ne voulons pas prêcher un Jésus qui est complaisant, un Jésus qui plaît aux gens de manière charnelle. Nous voulons prêcher le Jésus qui dérange. Quand on l'entend parler, on est, si on est pour le péché, ben on est outragé, on est énervé. Hein, donc et quelqu'un pouvait dire, oui, mais l'évangile ne culpabilise pas. Ah, la culpabilité est biblique. Parce qu'il y a l'offrande de culpabilité qui était exigée. D'abord, si le péché, comment voulez-vous que les gens se convertissent s'ils ne sont pas, bien sûr, s'ils ne se sentent pas coupables? Il n'y a pas de conversion sans la culpabilité, sans la tristesse produite par l'évangile. Eh bien oui, c'est ça l'évangile. Ce n'est pas pour caresser les gens dans le sens du poil, c'est pour dire aux gens, sortons des coutumes, sortons de traditions. C'est ça l'évangile. Voilà. Et voilà. Donc, le Seigneur est bon. Nous avons sur ce plateau des frères qui sont venus de loin. Nous avons, comme on l'a dit hier, notre frère Charles qui nous vient du Gabon, de Mwanda. Et nous avons aussi aujourd'hui la grâce de recevoir Alain et ainsi que son épouse. Et qui viennent d'atterrir hein, après un très très long vol. Bonsoir Alain. Bonsoir. Ça fait plaisir. Moi aussi ça me fait plaisir. Hein. On regarde tout le temps sur Internet, sur les téléphones. Et aujourd'hui on arrive, c'est vrai que c'est comme si on connaît déjà le lieu. Mais bon, voir ça physiquement, voir les frères et sœurs, ça fait chaud au cœur. Quoi. Amen. Voilà. On vous embarque tout de suite dans... On est venu à l'école, on est venu apprendre, on est venu écouter, on n'est pas venu jouer les super-héros, donc on est au service du Seigneur, quoi. Voilà. Amen. Mmh. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Mmh. Et vous savez que ce vendredi, nous avons une nuit de prière, une nuit de partage de l'évangile à Londres, et toutes les informations sont sur le site de TV et de Radio de Vie. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à poser par rapport justement à cet événement. Et puis le samedi 26, nous serons à Évry, c'est le dernier samedi. Ensuite, il n'y aura plus de réunion de réveil ici à Évry. Et en 2000, le 27, on sera à Lyon, c'est un dimanche, il y a une journée de la jeunesse. Et ensuite, le 31, nous avons une nuit de prière ici à Évry. Et puis en janvier, en fonction... du programme du Seigneur, on aura des réunions de réveil à Bruxelles. Dieu est grand. Alors, on va encore donner, si ça vous intéresse, je sais qu'il y en a qui sont pressés, quelques détails concernant justement la dot. Et qu'est-ce que vous en pensez un peu là hein? Parce que je pense qu'il y en a qui sont restés sur leur faim. Et c'est quand même impressionnant de voir. Alain, est-ce que vous avez aussi la dot au Gabon? Ah oui, il y a la dot et c'est terrible parce que dans la constitution du Gabon, le premier chef de l'État avait demandé dans les années 60 que la dot soit abolie. Waouh. Mais aujourd'hui au Gabon, que ce soit les autorités, les juges, nous tous, et moi-même qui parle, il ne faut pas se mentir, on est passé par là. Donc on est tous des hors la loi. Et aujourd'hui, on se rend compte que si on est chrétien, nous sommes sacrificateurs, un sacrificateur ne peut pas vendre sa fille. Et en écoutant une conversation tout à l'heure, ce que je recevais, c'est que on a dénoncé pendant longtemps que les pasteurs, les apôtres tondent les brebis, mais il y a des parents qui tondent aussi leurs enfants. Et là, quand on dénonçait les pasteurs, ses parents étaient dans la joie. Mais oui. Et pourtant, ce sont des sacrificateurs. Mais c'est bizarre, quoi. On comprend plus rien. Donc au Gabon, on retrouve ça et on est heureux. Mais J'ai bien peur qu'on ne retrouve la même chose qu'on a constaté avec la dîme. Tout le monde était content, disait « Hourra, on ne paye plus la dîme, on est devenu égoïste ». Et aujourd'hui, les personnes qui vont dire aussi « On ne doit plus payer la dot » commencent à être pingres avec leur argent, avec leurs enfants. La Bible dit que ce sont les parents qui doivent amasser pour leurs enfants. Mais là, c'est le contraire. Donc en fait, ils font le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Ils veulent amasser... ce que les enfants doivent apporter pour avoir pour eux. Mm-hmm. Donc, ils ont une sorte de fonds de commerce, quoi. Mm-hmm. Quand ils payent les études, avant les études, quand l'enfant est bébé, alors on l'emmène faire les vaccins, il y a les médicaments pour la poussée dentaire et tout ça. Donc, on compte ça. Donc, toutes ces personnes sont des comptables sur le dos de leurs enfants.
Et ils veulent récupérer de l'argent lorsqu'il y aura quelqu'un qui va dire « on veut épouser ». Donc c'est grave, c'est scandaleux. Il faut vraiment qu'on aime le Seigneur pour accepter toute la vérité, quoi. Et donc au Gabon, il y a ça aussi, mais bon, on commence déjà à le dénoncer ouvertement. Bon, c'est chaud un peu comme partout, mais on ne va pas s'arrêter parce que c'est la parole de Dieu. Voilà. Quelle est la réaction des gens suite à ce message au Gabon? Alors, tout le monde se pose la question, tout le monde raisonne, tout le monde commence à se dire mais comment on cherche versets bibliques et tout ça. Mais moi, je leur ai dit, appliquons simplement la parole de Dieu. Je me rappelle qu'on était à Abidjan à un séminaire et il y a une sœur qui était calée, une sœur gabonaise qui était calée sur « Mais oui, si l'homme veut venir donner quelque chose pour moi. » Et Dieu donne un verset comme ça, c'était, je me rappelle, Matthieu 7, 12, mm-hmm. « Que tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le aussi pour vous. » Est-ce qu'on peut le lire? Ben c'est oui, possible, on peut le lire. Ça, c'est la justice du Seigneur. Mm-hmm. Voilà. Dieu veut qu'on soit juste. Voilà. Ce qu'on exige chez les autres, mm-hmm. on doit aussi accepter que ces mêmes personnes nous exigent ces choses-là. Amen. C'est ça la justice. Et on se dit chrétien, mais on est accroché à ces traditions. Et on dit non, Dieu ne doit pas venir dans nos traditions mm-hmm. ici, qui nous laisse un peu ce coin-là, c'est à nous. Mm-hmm. Voilà. La parole nous fait du bien. Et avant de lire, donc la sœur, ce qu'elle me racontait, ensuite quand elle est rentrée, elle disait que c'était comme si elle était désarmée. Elle ne faisait que rire, vraiment elle ne comprenait plus rien. En tout cas, que Dieu soit béni. Donc, Matthieu, chapitre 7, verset 12, dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Alain, est-ce que tu peux relire encore cette parole, s'il te plaît? Parce que je crois que les gens qui aiment le Seigneur, là, ils vont être encouragés. Et ceux qui mm-hmm. ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à nous expliquer ce passage-là. Ou alors ils mettent du blanco dessus même, hein, ouais. s'ils veulent l'enlever. Voilà. Donc, c'est marqué « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, mm-hmm. faites-le de même pour eux, donc, car c'est la loi et les prophètes. » Donc, si vous demandez la dot à quelqu'un, oui. vous êtes, parce que tu as une fille, oui. tu veux que mon fils donne, que moi je donne, 3 000 euros pour épouser, pour que mon fils épouse ta fille, oui. eh bien, il faudrait aussi que j'accepte oui. que tu me demandes aussi 3 000 euros pour oui. que ta fille épouse mon fils. Bien sûr, voilà. Puisque Dieu est juste. Mais ce qui se passe, c'est que ce sont les pères qui font toute une cérémonie pour pouvoir avoir le pactole. Et en général, moi je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais au Gabon, lorsque l'argent arrive, l'argent en espèces arrive là, le gars devient comme un trésorier payeur. Parce qu'il a l'argent à côté, il se cache, tout le monde le regarde. Et en fait, on comprend que ce n'est pas la parole de Dieu parce que ça crée des conflits même dans la famille. Mmh. Et ensuite, la personne commence à se cacher et même à mentir. Et les gens se battent parce que chacun veut avoir sa part. Et on voit des oncles, des parents qu'on ne connaissait pas et qui viennent imposer certaines choses. Mmh. Et c'est ça la dot. Et vraiment pour ceux qui sont chrétiens, qui veulent se cacher derrière ça, quand même un peu d'humilité. La parole nous délivre et il faut l'accepter dans toute sa rigueur. On ne doit pas dire « je suis chrétien » d'un côté et bon, je prends une partie de la coutume parce que papa a fait ça depuis longtemps. Non, la parole doit nous libérer totalement. Voilà, et ce n'est pas aux parents, surtout à ceux qui sont chrétiens, qui sont donc sacrificateurs, qui doivent tondre leurs enfants. Voilà ce que je pouvais apporter. Quelqu'un d'autre voulait, mon frère Charles, on va te donner le micro parce que, voilà. Ah, on va te donner le micro là, parfait. Je ne sais pas si c'est allumé. Non, c'est allumé. Donc, vous pouvez appeler si vous le voulez, hein, parce que... Là, même, ils sont en train d'inventer encore d'autres choses. Mm-hmm. Ils appellent ça la dot du jour et la dot du nuit. Où c'est, dans quel pays, ça? Oui. Au Gabon. Au Gabon. La dot du jour du et jour. La dot mm-hmm. Oui, parce que quand nuit. On venait déposer, si c'est 1 million devant les parents, le père est obligé de partager les 1 million avec, mm-hmm. avec les autres. Mm-hmm. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On divise l'argent peut-être en deux. On vient la journée, on donne 500 000 francs à papa. Et les 500 000 francs viennent déposer devant... Tout le monde, et c'est ces 500 000 qu'on va partager. Mm-hmm. Parce que là où je parle même, il y a mon neveu qui s'est marié. Le micro, ouais. Tout à l'heure même. Ils sont peut-être en train de se marier, Henri et Nadège. Mm-hmm. Ils ont exigé 1 500 000 francs. Mm-hmm. Et ça, c'est l'argent en espèces, mm-hmm. sans compter la marchandise mm-hmm. qu'il faut ajouter. Mm-hmm. Alors, ils ont fait 10 ans de fiançailles. Mm-hmm. 10 ans de fiançailles, pourquoi autant d'années? Et c'est le plus, je ne sais pas.
Parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer la dot. Ils n'avaient pas l'argent pour payer la dot. Donc ils ont dû attendre 10 ans avant de pouvoir se marier parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer la dot. Vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, la poste, là où les uns gardent leur argent au Gabon, c'est ça des problèmes. Et il paraît que c'est là où ils ont gardé l'argent de la dot. Maintenant, il n'y a pas moyen d'aller récupérer de l'argent. Donc, quand ils m'appellent, vous me demandez de l'argent, je dis, je ne peux pas négliger la parole de Dieu à cause de ton mariage. Tu connais déjà ma position. J'ai dit non au début et j'ai dit non à la fin. Ça ne marche pas comme ça. Donc, si vous êtes des chrétiens, c'est vous qui devez amener les parents à comprendre que ça ne marche pas comme ça. Donc, est-ce que toi, tu as compris l'enseignement sur la dot, comme quoi c'était une pratique cananéenne? Je n'avais même pas encore appris ça. D'accord. Aujourd'hui, je comprends ça. Est-ce que tu as compris facilement ou c'est compliqué pour toi? Ah non, ça n'a pas été compliqué, parce que quand je comprends directement, je sens que ce que la parole dit, c'est ça. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu, quand je comprends, c'est par l'Esprit de Dieu que j'accepte que non. Là, c'est comme ça. Mais... beaucoup en fait raisonnent. Moi, je ne sais pas, au niveau du Gabon, toutes les fois où j'ai assisté à un mariage coutumier, où on parle de dot, comment ça se passe? Il y a une sorte de scène de théâtre, des cérémonies. Et à un moment, on dit que le futur époux, celui qui vient prendre la femme, doit payer l'adultère. Mais imaginez, moi je suis chrétien, je suis là assis. Et j'ai en face de moi mes futurs beaux-parents qui vont me dire, tu dois payer l'adultère parce qu'elle est mariée à tel. Et les parents et le grand-père, donc les pas, tu prends l'argent, tu vas dire oui, je paye l'adultère. Mais déjà, c'est un mensonge parce que tu n'as jamais commis l'adultère. Si tu acceptes de faire ça, donc tu es complice. Parce qu'on va te dire qu'elle était mariée au grand-père. Mais à quel moment elle était mariée au grand-père? Après, on te dit, voilà, tu avais cassé la fenêtre, il faut payer ça. Ensuite, on va te dire, bon, celle que tu veux épouser n'est pas ici à Évry, elle est peut-être à, on a vu quelle ville là, je ne sais pas, à Corbeil, elle est à Corbeil, donc il faut payer le transport. Alors que la jeune fille est juste à côté, et toi tu donnes l'argent pour le transport alors que la fille est à côté. Tout ça, ce n'est qu'un paquet de mensonges, et les chrétiens ne peuvent pas accepter ça. Les chrétiens qui aiment le Seigneur, Jésus existe, Jésus est vrai. Soit on accepte Jésus, soit on ne l'accepte pas. Parce qu'accepter toutes ces pratiques, c'est être complice du mensonge. Je crois qu'il y a quelqu'un en ligne là. Allô, bonsoir, Alain. Il y a beaucoup de choses à dire parce que je crois que ça va libérer beaucoup de gens. On a beaucoup de choses à partager, mes frères. Hein, donc, notamment mon frère Pierre qui vient du Canada, qui est arrivé aussi aujourd'hui, hein, hier. Et que Dieu soit béni. Aujourd'hui matin, donc tu auras aussi des choses à partager. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui. Moi, je voulais juste intervenir là et puis je voulais un conseil. Hein. Par rapport, parce que nous, comme on est chrétiens là, comme il y a trop des enfants réfugiés qui viennent de partout là, moi je suis chrétienne, je viens de prendre deux enfants qui sont musulmans en fait. Et vous qui avez l'expérience, pour moi c'est la première expérience avec les musulmans en fait. Et ils ont 14 ans, je les ai pris chez moi. Comment est-ce que vous gérez ça quand vous habitez avec les musulmans comme ça? Donc, vous avez une fille, c'est ça? Non, ça veut dire que moi, j'appelle de la Suède. Hein. Il y a trop des enfants, des garçons ou des filles, je ne sais pas, afghans, qui viennent d'Afghanistan, qui viennent ici comme des enfants réfugiés. Donc, là, le gouvernement a demandé aux gens s'ils pouvaient aider à prendre un peu les enfants parce qu'ils sont débordés. Nous, dans ma famille, on a pris des garçons, ils ont 14 ans, mais ils sont musulmans. Et là, je voulais demander un conseil. Comment est-ce que vous gérez, vous qui avez l'expérience de tout le monde qui vient là-bas, des musulmans, des bouddhas et tout le monde là? Donc, il va falloir les héberger, c'est ça? Oui, parce qu'ils sont chez moi et je les héberge là. Ils sont chez moi depuis 2 semaines. Ils ont quel âge? 14 ans. Et comment ils sont avec vous à la maison? Comment ils se comportent? Là, ils ont dit que, parce que là, moi, j'avais dit aux autorités, en fait, les gens des sociales et tout ça, je leur avais dit que moi, je suis chrétienne, donc chez moi, je prie, et je rassemble ma famille, je prie ensemble au nom de Jésus et tout, et je voudrais qu'eux aussi soient parmi, et ils m'avaient demandé juste si vous pouvez manger leur viande là, halal, je ne sais pas si vous connaissez,
Ouais, tout à fait, si oui. ils pouvaient manger, moi je dis que ça c'est la nourriture parce que je ne voulais pas les brusquer au début là. Donc ils assistent des fois quand nous prions à la maison, ils assistent. Mais c'est bien, et c'est comme bien. Ils ne connaissent pas encore la langue suédoise, donc là on a des difficultés pour que je puisse leur parler de la Bible et tout. Vous témoignez de l'amour comme la parole le dit. Ouais. Pardon. Et la parole nous demande d'aider tout le monde. Hein? Donc, 1 Timothée 4, 10 nous dit, nous sommes dans Galates 6, 10, qui nous dit que pendant que nous en avons l'occasion, nous devons pratiquer le bien envers tous. Ouais. D'accord? Et principalement envers les frères et sœurs dans la foi, donc les chrétiens. Donc, il y a d'abord le mot tous ici, et toutes les personnes, quelle que soit leur origine, leur sexe, tout ça, il faut leur venir en aide. Et là, en tant que chrétienne, vous avez pratiqué la miséricorde, donc c'est une bonne chose, dans la mesure où ces personnes ne vous imposent pas leur religion chez vous à la maison, parce que c'est quand même votre vie privée. Je pense que, comme ce n'est pas le cas, c'est bien, vous avez bien agi, et continuez à prier pour ces personnes dans votre cœur, dans votre chambre, prier, partager avec ses enfants. Et Dieu, certainement, les a envoyés là pour qu'ils reçoivent l'amour de Christ. Hein. Donc, voilà. Amen. Amen. Et par rapport à la dot, là, parce que je suis en train de suivre ce que vous êtes en train de partager, là, par rapport à la dot, en fait, tout ce que moi, je voulais dire, je commence à me rendre compte que, au fait, bien que nous étions longtemps dans les églises, mais on n'était pas encore convertis, quoi. C'est ça. C'est ça. Et malheureusement... Ouais, donc il y a vraiment trop de gens qui n'étaient pas encore convertis, bien qu'on parlait des langues et on faisait toutes ces choses-là, parce que je crois que c'est pas seulement la sœur qui avait intervenu hier, mais il y a trop de gens, même s'ils sont chrétiens, pasteurs et tout, qui sont en train de faire ces choses-là. Voilà. Donc, il faut toujours lutter comme la dîme, donc il faut lutter, assister et tout. Hein. On va pas se taire. En tout cas, merci pour ton intervention et ça nous encourage. On ne va pas se taire, quelle que soit la pression des gens, quelle que soit leur menace, et on va prêcher la vérité. Et puis donc, que Dieu soit béni en tout cas. Bonne continuation. Merci beaucoup, mon frère. Beaucoup aussi. Merci. Alors, la sœur a dit quelque chose de très important. Elle dit qu'elle fréquentait les assemblées, et comme beaucoup de chrétiens, et elle s'aperçoit effectivement que beaucoup n'étaient pas convertis. Au fur et à mesure que la parole est donnée, eh ben, les gens se rendent compte qu'effectivement, dans les assemblées, dans beaucoup d'assemblées, pas toutes, attention, dans beaucoup d'assemblées, ben, la vérité n'est pas prêchée tant que ça. Donc, du coup, ben, il peut y avoir des réactions parfois très violentes, très charnelles, et de certains chrétiens, on les comprend aussi en même temps, donc on ne va pas les condamner, attention, et parce que ben, ça, y a des choses qui paraissent nouvelles, et la parole est immuable. Donc je crois que, je ne sais pas, donc Alain, tu disais... Donc je disais qu'il fallait que ceux qui pensent qu'ils sont chrétiens, ils sont donc sacrificateurs, ils ne peuvent pas commencer à vendre leurs enfants. Parce que comme on disait, l'étymologie du mot dot, c'est le rachat, l'achat. Donc l'achat, c'est comme si on achète quelque chose. C'est ça. Alors que ton enfant, c'est un être humain, c'est quelqu'un que tu as aimé, que tu as gardé, et tu voudrais le voir parvenir et avancer demain. Et qui n'a pas de prix. Voilà. Donc, tu ne vas pas commencer parce que la dot, c'est une sorte de négociation. Comme on négocie au marché pour dire, bon, ça, je ne veux pas le poulet à tel prix. Donc, c'est ce qui se passe. Deux familles se retrouvent pour discuter de l'avenir d'un enfant. Et pendant ces moments, la fille n'a rien à dire. Et même celui qui doit venir prendre la fille n'a rien à dire. Donc, c'est un groupe de personnes qui sont en train de discuter sur l'avenir de deux autres individus. Et... quand je regarde même cette image, ça a l'air de la... C'est comme si c'était de la sorcellerie. Donc, vous n'avez rien à dire. C'est nous qui décidons combien la fille va valoir et combien l'homme va devoir donner. Et à la fin, ni la fille ni l'homme, vous n'avez rien. Et quand il y a des problèmes, on ne voit plus toutes ces personnes. Ils ont empoché l'argent, la cagnotte et ils ont disparu. Et quand l'enfant était né... Certainement, ceux qui vont prendre un petit bout de dot ici et là, on ne les a pas forcément vus à la naissance de l'enfant. Oui. Parfois, quand l'enfant était malade, on ne les voyait pas forcément. Il y a un passage qu'on va prendre, parce qu'il y a une personne en ligne qu'on va prendre tout à l'heure. Okay. Alors, ceux qui sont pressés, si vous voulez partir, il n'y a pas de souci. Hein, donc, je pense qu'on va... mais c'est quand même un partage assez important. Et vu les réactions, hein, donc nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre... chapitre 12,
2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12 et le verset 14. Alors, si quelqu'un veut bien nous faire la lecture. 2 Corinthiens 12, 14. Quelqu'un veut lire ? Deux, tu veux lire ? Ouais, c'est bon. Oh. Voici pour la première fois que je suis prêt d'aller vers vous. Ah, la troisième fois. La troisième. Voici pour la troisième fois que je suis prêt d'aller vers vous. Et je n'épargnerai pas à travailler pour ne pas être à charge. Car je ne demande pas vos biens, mais c'est vous-même que je demande. Car ce ne sont pas les enfants qui doivent amasser pour leur père, mais les pères pour leurs enfants. Waouh ! Attends. Quand on me dit, oui, il faut nous donner des versets bibliques qui disent que la dot, c'est pas... écoutez, soit on aime la vérité, soit on ne l'aime pas. Mm-hmm. D'accord ? Ici, qui c'est qui parle ici ? C'est Paul, l'apôtre. Mm-hmm. Celui-là même qui a dit dans Actes 20 mm-hmm. qu'il a donné aux chrétiens tout le conseil de Dieu, mm-hmm. sans rien cacher. Mm-hmm. C'est-à-dire, quand Paul dit qu'il a donné aux chrétiens d'Éphèse notamment, et nous autres également, tout le conseil de Dieu, c'est quoi un conseil de Dieu ? C'est un ensemble de doctrines, n'est-ce pas ? Un ensemble de doctrines qui nous parle du salut, et indispensable au salut. Donc c'est comme si Paul disait, je vous ai donné le package, d'accord ? Donc dedans, il y a tout. Dans le conseil de Dieu, il y a la sanctification, la sainteté, il y a l'enlèvement, il y a l'amour. Paul dit qu'il a donné tout le conseil de Dieu parce que c'est lui que Dieu avait choisi pour recevoir l'ensemble de la doctrine chrétienne. La majorité, donc Pierre même l'a reconnu dans 2 Pierre 3. Et Pierre, et Paul dit ici justement, il dit que je suis prêt d'aller chez vous pour la troisième fois. Et il dit que ce ne sont pas vos biens que je demande, mais... C'est vous-même. Vous me direz, mais oui, mais Paul, ses chrétiens n'étaient pas ses enfants biologiques. Donc, ce n'est pas lui qui les mariait. On est d'accord. Mais Paul ne s'arrête pas là. Paul continue, poursuit. Il dit, car ce ne sont pas les parents, ce ne sont pas aux enfants, ce ne sont pas les enfants qui amassent pour les parents. Attention, je ne dis pas que les enfants ne doivent pas aider financièrement leurs parents. Ce n'est pas ça que nous disons. Parce que Paul dit dans 1 Timothée 4, il dit dans 1 Timothée 5, pardon, que les enfants doivent rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. C'est-à-dire, les parents qui sont dans les besoins, en tant qu'enfants, nous devons leur venir en aide. C'est quoi de plus normal ? Parce que ce sont nos parents, ils nous ont soutenus, ils nous ont aidés. On est d'accord là-dessus. Mais par contre, Paul dit qu'un bon parent n'est pas celui qui va dire à ses enfants d'amasser pour lui. Mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Et ça, c'est très significatif. Paul est en train de parler de quelque chose de naturel. Quand on regarde à la nature, ce ne sont pas les oisillons qui vont construire des nids pour leurs parents. Mais ce sont les oiseaux, avant de pondre leurs œufs, intelligents qu'ils sont, parce que Dieu leur donne l'intelligence. N'est-ce pas ? Quand on veut parler d'intelligence, il faut savoir ce que c'est. Ce sont les parents qui vont préparer les nids afin de recevoir leur, de pondre. Et la nature même nous enseigne. Ça veut dire qu'un parent qui est éclairé, ceux qui ne sont pas éclairés, on peut comprendre, mais celui qui est éclairé avec la parole de Dieu doit comprendre qu'en tant que parent, il doit amasser pour les enfants. Un couple qui est marié depuis 10 ans, 15 ans, qui a de l'expérience, je veux dire, depuis plus de 20 ans, parce qu'on ne va pas, bien sûr, commencer à marier, à demander aux jeunes de 15 ans de se marier. Donc, un couple marié depuis plus de 20 ans, 25 ans, la fille qui se marie, on va dire, elle a 25 ans. Donc, les parents sont ensemble depuis au moins plus de 25 ans. 25 ans de vie commune, 25 ans de travail, 25 ans d'expérience. Et vous imaginez, ils vont demander à leur fille, ils vont demander à leur fils, ils vont demander à leur fille, écoutez, chérie, écoute, chérie, tu vas dire à ton fiancé qu'il donne 4000 euros, 5000 euros, 6000 euros pour pouvoir t'épouser, 1000 euros, 500 euros pour pouvoir t'épouser. Alors que ces jeunes gens, ces deux jeunes gens,
viennent à peine de commencer, veulent à peine commencer, ils veulent à peine démarrer leur vie. Mes amis, soit on est chrétien, qu'on est éclairé et on va aider nos enfants, soit on ne l'est pas. Parce que par expérience, la plupart des mariages où il était question de la dot, la plupart des mariages que nous avons eu à l'époque à bénir, quand on bénissait encore les mariages, j'ai vu ces couples venir me voir avant le mariage pour nous dire, frère, notamment les femmes, voilà, nos parents demandent 4 000, 3 000, 5 000, 6 000 pour certaines familles, 2 000. Pourtant, nos hommes n'ont pas cet argent-là parce qu'on a beaucoup de choses à faire après le mariage, après les noces. Il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a l'appartement à trouver, n'est-ce pas? Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Les enfants qui, les éventuels enfants qui viendraient, qu'il va falloir notamment accueillir parce que ça demande beaucoup d'argent. Et ces femmes pleuraient en disant, mais nous sommes obligés, me disait-elle, de participer nous-mêmes en mentant à nos parents, en ne leur disant pas la vérité, que c'est nous qui avons donné de l'argent à nos futurs époux. Vous vous rendez compte, mes amis? Alors, Paul est clair ici, ce ne sont pas les enfants qui amassent pour les parents, mais ce sont les parents qui amassent pour les enfants. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. D'accord? Donc, on n'a pas encore ce soir pris un passage où il est question de la dot, mais nous voulons d'abord, n'est-ce pas, vous brosser un peu, vous partager, vous montrer, vous donner des passages qui montrent, qui vous montrent le rôle des parents, leur responsabilité vis-à-vis des enfants. C'est à eux d'amasser pour les enfants, c'est à eux, n'est-ce pas, de soutenir financièrement et matériellement leurs enfants parce qu'ils viennent de démarrer la vie. Et maintenant, quand ils seront âgés, n'ayant plus la force pour pouvoir travailler, les enfants, c'est à eux de pouvoir les soutenir aussi matériellement et financièrement, quoi de plus normal. On ne donne que ce que l'on a, on ne récolte que ce qu'on a semé. D'accord? C'est ce que la parole nous dit. Voilà un principe biblique. Quelque chose de simple, de normal. Et maintenant, d'où vient au jour d'aujourd'hui cette, n'est-ce pas, vision de la dot dans nos pays, dans nos assemblées? Parce que même en France, hein, il fut un temps où il y avait la dot. Je pense qu'on va faire des émissions pour éclairer davantage les frères et sœurs, parce que beaucoup sont éclairés comme la dame qui a appelé. D'où vient cette vision-là de la dot? Eh bien, elle vient tout simplement de Canaan. Voilà. Canaan. Et on va prendre une personne qui est en ligne. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis une sœur de l'Aveyron. J'appelle, c'était par rapport à ça. Je suis originaire du Gabon. Et ce que je voulais ajouter, parce que quand j'ai suivi l'émission hier, ça m'a un peu choquée. Enfin, ça a commencé à me choquer. Et puis j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'éclairer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Et moi, je sais que j'ai beaucoup de cousines qui vivent dans le péché, non parce qu'elles ne peuvent pas se marier, mais c'est parce qu'au niveau de la dot, au Gabon, parfois, les familles, c'est une concurrence. C'est-à-dire que si une personne a donné 1,5 million, le prochain enfant devra donner, par exemple, 2 millions. Du coup, voilà, les gens vivent dans la fornication parce qu'ils ne peuvent pas payer. Et vraiment, Dieu m'a montré ça, que vraiment, on fait des choses parce que la famille nous met un joug pour ne pas se marier. Les gens préfèrent que leurs enfants vivent en concubinage au lieu de se marier normalement. C'est ça le bas qui blesse, c'est ça le problème. Et quand on va dans certains pays, notamment en Afrique, on va voir des frères, des chrétiens, même des païens, hein, 40 ans, 30 ans, ils sont encore chez les parents. Et on se dit, parfois on leur demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vous disent, écoutez, il y a ça un problème de finances.
Voilà, la conjoncture, les problèmes économiques. Et on a, parfois, on va les voir avec leur, ils ont des enfants, et, mais ils n'ont pas encore, comment dire, ils ne sont pas partis devant les autorités pour officialiser leur union. Et il n'y a pas eu non plus des noces. On ne demande pas ce qu'il y ait une grande fête. Ils vous disent, mais parce qu'il n'y a pas les moyens. Il y en a qui vont se marier à 40 ans, 45 ans. Tout simplement parce que ben, on demande tellement des choses par rapport à la donne qu'il y a vraiment, mes amis, et c'est grave. Et donc là, c'était juste pour confirmer ce que tu disais, ma soeur. Ouais, voilà. C'était juste, j'avais juste envie d'apporter ça, que vraiment, c'est vraiment un message. Il faudrait que vraiment un remaniement au niveau de nos mentalités, parce que c'est vrai que c'est compliqué de tout faire. Il y a le mariage civil, il y a la dot, tout mélangé. Quand on n'a pas les moyens, les gens ne peuvent pas s'en sortir comme ça. Que Dieu nous aide. En tout cas, merci pour ton intervention. Merci, soyez bénis, au revoir. Merci. Alors, on va prendre quelques passages ici et là. Mais Pierre, alors, ça va? Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça, la dot? Toi qui as aussi de l'expérience. Ça va bien. Mais en tout cas, c'est un peu choquant par rapport à ça. Mm-hmm. Ça m'a choqué un peu parce que je n'ai pas suivi. Moi, j'étais dans l'avion. D'accord. Quand la mission a passé. Mais ce que j'entends maintenant, j'ai écouté aussi. C'est le message surtout, qui te choque, hein? Oui. Tu t'aperçois que tu étais dans les liens, dans les traditions, les coutumes? Non, j'étais pas là, j'étais à délivrer de ça, mais okay. Par rapport aux réactions des gens. Par rapport, ok. Surtout par rapport, il y a un frère qui qu'on a parlé avec avant la mission. Sa réaction, Sa réaction, ça m'a choqué. Okay. Ça m'a choqué par rapport à ça, parce que le frère, il a pris, il a versé le Matthieu 18, mm-hmm. 18, que tout ce que nous allons lier sur la terre, c'est lié au ciel. Tout ce que nous lions sur la terre, au ciel, c'est lié. Donc, quand on prend une décision entre les deux familles, Dieu va acquiescer, Dieu va approuver. Alors, c'est le contraire, parce que dans le mariage, il y a deux opposants qui s'opposent. C'est une opposition, il y a un mur au milieu, là. C'est des opposants. Alors, tout ce qu'ils vont lier, donc, les mettre aussi au ciel. Dieu va appliquer. Il va appliquer. Ce n'est pas ça. C'est vraiment ce cas. Alors que le mot là, grec, même dans la pensée du Seigneur, c'était pour ouvrir des portes de l'évangile aux nations. Hein, ouvrir des portes des nations à l'évangile. Voilà, exactement. Donc c'est ça. Je pense qu'on est en train de lire la Bible comme des historiens. Mm-hmm. On lit la Bible et puis on l'interprète de nos façons à nous. Mm-hmm. On lit d'écouter le maître. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ce n'est pas ça. C'est ça qui m'a choqué aussi par rapport. Mais pourtant, ce sont des gens qui ont déjà était enseigné depuis, ça fait longtemps. Il lit la Bible et tout ça, mais ils sont dans le système. C'est ça le problème. On veut garder le système, c'est ça le problème. Waouh. Donc je pense qu'il y en a qui, si vous voulez intervenir, pas de souci, hein, donc sentez-vous libre. Hein. Ça vous intéresse, vous voulez intervenir un peu au sujet? Et oui, ouais, et Alain. En fait, je voulais juste rapporter quelque chose parce que lors des échanges de la dot, à la suite, il faut que celle qu'on a vendue puisse produire. Donc la femme dotée doit être fertile. Voilà. Et si elle ne produit pas, celui qui l'a payé doit ramener le produit pour dire le produit est vétuste. Donc en fait, les parents n'ont pas donné un bon produit. Ça arrive souvent, ça. Très fréquemment. Oui, je parle de ça parce que on peut voir qu'un homme qui est venu doter sa femme n'arrive pas à avoir d'enfant. Il demande, mais comment ça, j'arrive pas à avoir un enfant? Donc, il va battre la femme, il va la chasser, il va la tromper. Et ensuite, ça va l'emmener à chercher une seconde épouse. Donc, de pas en pas, ça ne fait que plonger les personnes dans le péché. Voilà, donc c'est ce que je voulais apporter. Tu disais que Paul parlait donc de fils. Et je me rappelle d'un passage où Paul dit qu'il éprouve les douleurs de l'enfantement. En tant qu'un père, il souffre pour ses enfants. Il ne cherche pas à récupérer quelque chose de ses enfants. Comme il parle à Tite et comme il parle à Timothée. Comme un père qui veut léguer, il dit, regarde, apprends de moi. Il ne dit pas, apporte-moi quelque chose de ce que tu as. Voilà quoi. Donc c'est ce que je voulais apporter. J'ai une question à poser. Ok. Par rapport à nous. Le micro, parce que là, les gens, ils sont chez eux, ils sont très intéressés par ce que Dieu fait ce soir. Par rapport à nous, parce que nous, on avait acheté nos femmes. Alors, qu'est-ce que ça va nous arriver après? Voilà, ceux qui ont acheté leurs femmes. C'était pendant la période de l'ignorance, pendant le temps de l'ignorance. Hein? Donc pendant ce temps de l'ignorance, là, Dieu ne tient pas compte, comme la parole le dit. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Maintenant que vous êtes éclairé,
ben, vous êtes, si vous êtes culpabilisé, il ben, faut se repentir. Hein? Si vous vous sentez coupable, hein, il faut se repentir. Donc, ce temps-là, c'est révolu, le Seigneur nous a pardonné. Maintenant, regardez, on va prendre deux passages. On va prendre deux passages. Et la première fois où on a parlé de la dot, nous sommes dans Genèse 34. Je pense qu'on l'a lu hier. On va encore le relire. Quelqu'un qui sait bien lire, là, qui a une grâce de la lecture, peut nous lire du verset 1er au verset, n'est-ce pas, 12. Ouais, Alain, tu peux, hein, voir à Dieu. Bon, grâce à la lecture, je sais pas. Ouais. Déo, pour nous aider. Mm-hmm. C'est son métier en plus. Ouais. Voilà. Il est avocat. Genèse chapitre 4, à partir du verset 1er. Mm-hmm. Ordina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, le Hévien, prince du pays. Il enleva et coucha avec elle et la déshonora. Son cœur fut attaché à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler au cœur de la jeune fille. Et Sichem parla à Hamor, son père, en disant, « Prends-moi cette fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Or, ses fils étaient avec son bétail au champ. Jacob garda les silences jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, sortit vers Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revirent des champs dès qu'ils apprirent ce qui était arrivé. Ces hommes furent dans une grande douleur et furent fort irrités de l'infamie que Sichem avait commise contre Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui ne devait point se faire. Hamor leur parla en disant, « L'âme de Sichem, mon fils, s'est attachée à votre fille. Donnez-la lui, je vous prie, pour femme. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des possessions. Sichem dit aussi au père et aux frères de la fille que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai tout ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents que vous voudrez, et je le donnerai comme vous me direz. Et donnez-moi la jeune fille pour femme. » Alors les fils de Jacob répondirent avec ruse à Sichem et à Hamor son père. Ils parlèrent ainsi parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Verset 14. Ils leur dirent, « C'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. » Ok. Alors, on se répète encore comme hier, hein, donc je pense que ça va aider beaucoup, parce que quand il y a eu le message sur la dîme, il y a eu beaucoup de réactions. C'est normal qu'il y en ait aussi autant pour le message concernant la dot. Voilà. Donc, et c'est un message d'actualité. Tout évangile, tout ce qui vient de l'évangile est d'actualité. Donc, s'il ne l'est pas pour certains, il l'est pour d'autres. Voilà. Donc, que Dieu soit béni en tout cas. Et on voit ici, pour la première fois, le mot, hein, dans les Écritures, hein, le mot « dot ». D'accord ? Donc, pour la première fois. Et je ne sais pas si Laurent peut nous aider, l'équipe, pour nous montrer l'étymologie de ce mot en hébreu, afin que les frères et sœurs qui sont chez eux puissent avoir cette information, hein, qui peut-être leur échapper. Et Dina, fille de Jacob, va être enlevée, premièrement. Deuxièmement, déshonorée, c'est-à-dire violée. Déshonorée. Elle était vierge et Sichem, cet homme, n'est-ce pas, qui était un Cananéen, parce que les Éviens étaient des Cananéens, et va, n'est-ce pas, violer cet enfant, donc cette jeune femme. Elle était bien sûr mal. Et on nous dit que Sichem, cet homme qui l'a violé, a su parler au cœur de Dina. Et ensuite, il va voir son père pour lui demander d'aller voir les parents de Dina afin de la prendre pour lui comme femme. Et c'est ce que Hamor, le père de Sichem, va faire. Et au verset 12, on nous dit qu'il va dire, exiger, il va dire à Jacob, exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents que vous voudrez.
et je le donnerai comme vous me direz, et donnez-moi la jeune femme pour femme. » Donc on voit bien que on déshonore une femme, on la viole. Hein? Donc vous devez comprendre le contexte, l'histoire. C'est important, c'est ça l'évangile. Pourquoi les Écritures parlent-elles de la dot? Eh bien, il est question d'abord ici, je parle bien, il y a eu Abraham qui a donné des présents, mais on n'a pas parlé, on n'a pas utilisé le terme dot. C'est vraiment Sichem qui va en parler pour la première fois. Et c'est un monsieur, c'est un homme d'origine cananéenne, c'est-à-dire un païen. Les cananéens priaient plusieurs divinités. Ils n'adoraient pas Yahweh. Donc, son fils viole une femme, la fille de Jacob. Et ensuite, ce monsieur dit, donnez-moi le prix d'achat de Dina. Littéralement, voilà ce qu'il a dit. Donnez-moi le prix d'achat de Dina et je vous le donnerai. Attends. Vous voyez bien que Dina n'était pas considérée parce qu'on dit d'abord qu'elle était déshonorée. Elle n'était pas considérée. Donc, à cette époque déjà, les femmes n'étaient pas considérées. Beaucoup n'étaient pas considérées. Elles étaient traitées comme des objets. Voilà pourquoi les hommes pouvaient marier, pouvaient épouser 1000 femmes. Parce qu'ils estimaient que eux seuls pouvaient en avoir beaucoup et les femmes ne devaient pas être polyandres. Et c'était, les hommes pouvaient être polygames, mais pas les femmes. Et donc, il y avait déjà une injustice ici, à cette époque. C'est pour cela, une parenthèse, mes frères et sœurs, nous devons bénir le Seigneur Yeshua parce que l'œuvre de la croix nous a, n'est-ce pas, unis. Nous sommes devenus un seul corps et Paul dira, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, tous sont un. Donc, par rapport, bien sûr, à la considération que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres. Voyez ? Par rapport à l'amour du Père. Et ça, c'est terrible. Donc, on voit vraiment qu'à cette époque, les femmes étaient comme des objets. On pouvait les violer et ensuite donner l'argent pour les acquérir. Voilà. Et voilà comment les Hébreux, maintenant, vont prendre cette coutume-là, cananéenne, pour, n'est-ce pas, l'appliquer sur les uns et les autres, pour l'observer maintenant en Israël. Donc, ils ont incorporé en Israël cette coutume, cette tradition cananéenne, qu'était la dot. Alors, regardez, on va agrandir l'image, parce que quand on enseigne la parole, on peut aussi, de temps à autre, aller vérifier ce que l'hébreu, pour les écritures de Genèse à Malachie qui a été écrite en hébreu, eh ben on va vérifier l'étymologie des mots pour comprendre le sens exact, pour ne pas enseigner n'importe comment. Et quand on va vérifier le mot dot dans Genèse 34 12, c'est le mot moar, c'est l'hébreu moar. Donc à la base, c'est un mot qui contient trois lettres R, H, M. Et ce mot, donc, a été translittéré en français. Ça a donné Moar. D'accord? Et ensuite, la définition de Moar, c'est quoi? C'est le prix d'achat d'une épouse. Ensuite, argent de noces. Mais c'est le prix d'achat d'une épouse. Voilà ce que le mot dot signifie. Donc, à chaque fois que des Indiens ou des Africains disent « Nous devons payer la dot, vous devez payer la dot », littéralement, ils vous disent « Vous devez payer, vous devez donner le prix d'achat de la femme que vous voulez épouser. Vous devez donner le prix d'achat. » Donc, il y a bien la notion d'acheter ici. Je suis désolé, même si ça ne vous plaît pas, c'est ce que la parole nous dit, c'est ce que l'hébreu nous dit. Voilà. Ce ne sont pas des inventions, c'est ce que la parole nous dit. Et nous comprenons pourquoi, mes amis, les enfants de Jacob avaient réagi comme ça. Parce qu'ils se sont dit, mais notre sœur n'est pas une marchandise, n'est pas un objet. Vous la violez et vous voulez maintenant l'acheter comme si c'était un produit qu'on doit acheter. Elle n'est même pas honorée. Et ben, ils ont mis le feu dans cette ville. Ils ont tué tout le monde. Et c'est ce que nous devons éviter, bien sûr, parce que le combat n'est pas charnel. Et voilà comment Dieu va maintenant se servir de cette base pour
demandait aux Hébreux que si jamais une femme juive était violée, il fallait à tout prix, n'est-ce pas, qu'il y ait une réparation. Et vous verrez que la dot chez les Hébreux était en relation, était exclusivement en relation avec les vierges qu'on violait. Ce n'était pas pour les autres femmes qui avaient déjà connu des hommes. D'ailleurs, si c'était le cas, on ne pouvait pas, même pas les épouser parce qu'on n'épousait que les vierges. Donc, mes amis, nous devons être bibliques. Nous devons faire les choses selon la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous apprenons ici dans Exode 22, 17, justement? Parce qu'on a vu l'origine du mot dot. C'était un Cananéen qui l'a utilisé pour la première fois. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que nous voyons? Dans Exode 22, les versets 16 et 17. Exode, oui, vas-y. Exode 22, versets 16 et 17. Si un homme séduit une vierge non fiancée et couche avec elle, il faut qu'il la dote et qu'il la prenne pour femme. Ah! On répète encore, Déo, s'il te plaît. Si un homme séduit une vierge non fiancée... Donc, on n'a pas dit qu'une femme qui est déviergée, une femme qui a connu plusieurs hommes, mais une femme... Non, c'est ce que les Écritures nous disent. Nous devons être bibliques. Ok, on continue. Si un homme séduit une vierge non fiancée et couche avec elle, il faut qu'il la dote et qu'il la prenne pour femme. Mais si le père de la fille refuse absolument de la lui donner... Il lui comptera autant d'argent qu'on en donne pour la dot des vierges. Ah, maintenant si le papa de la fille dit, oui ma fille est violée, mais je ne veux pas te la donner, même si tu as couché avec, eh bien le monsieur qui est le violeur devait donner, n'est-ce pas, l'argent qu'on donne pour la dot des vierges. Et combien, cet argent était estimé à combien, hein? Et on va voir cela dans Deutéronome. Chapitre 22, Alain, si tu peux nous le lire. Ok. 22 à partir du verset... Je peux le lire à partir du verset 28. C'est bon. D'accord. Deutéronome 22 à partir du verset 28. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'il soit découvert, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 sicles d'argent, et il la prendra pour femme... parce qu'il l'a humiliée et il ne pourra point la répudier tant qu'il vivra. Voilà la somme d'argent qu'il fallait donner, n'est-ce pas, au père de la fille. Et ce n'était pas l'argent monnaie, c'était l'argent, le métal, hein, donc le métal. Donc voilà, donc, parce qu'à l'époque il y avait des balances, hein, donc il fallait peser tout ça, soit c'était de l'or, soit c'était de l'argent, tout ça. Et il fallait donner... n'est-ce pas, 50 cycles, hein, c'est ça, hein? Oui, 50 cycles. Voilà, 50 cycles d'argent. C'est quand même quelque chose de très, très... ce n'est pas un argent, monnaie, billet, comme c'est le cas aujourd'hui, mais c'était quand même, mes amis, une forte amende, une amende assez conséquente. Et voilà. Et Dieu dit clairement que maintenant, si, même si le père de la fille refuse de donner son enfant en mariage, même si on l'a violé, eh bien, l'homme devait quand même donner cet argent-là, cette somme-là. Et on l'appelait cette dot, la dot des vierges. Et son origine remonte, n'est-ce pas, à l'histoire de Dina dans Genèse 34. Voilà ce que nous apprenons. Nous faisons les choses sans savoir d'où elles proviennent. Nous faisons les choses sans savoir leurs origines. Et quand l'évangile vient pour nous éclairer, beaucoup ne veulent pas. Beaucoup disent, non, c'est entre les deux familles, nous nous sommes accordés. Mais oui, mais le mot que vous employez, la dot, là, est-ce que vous savez d'où il vient? Ben voilà, c'est ça l'origine du mot dot, c'est acheter quelqu'un. Et Babylone, selon Apocalypse 18, on nous dit que Babylone est remplie de marchands, même de marchands d'âmes, des marchands d'hommes. C'est ce que la parole nous dit. Et nous sommes dans une époque où c'est l'argent qui parle. C'est l'argent qui répond selon, qui donne des ordres.
Et nous sommes dans une époque où nous voyons l'émergence de l'église de Laodicée, où l'on invente toutes sortes d'offrandes pour imposer aux chrétiens dans l'optique de... pour pouvoir obtenir des bénédictions, il faut donner la dîme, l'offrande du prophète pour certaines personnes, l'offrande de ci, l'offrande de ça, l'offrande de ci. Il y a tellement de choses. Nous sommes dans une génération où, si tu n'as pas l'argent, tu es déconsidéré. Aussi bien dans beaucoup d'églises que dans le monde. Mes amis, l'heure est grave. Et qu'est-ce qu'on apprend? Il y en a qui vont, avant de répondre à la personne, de laisser la personne qui est en ligne poser sa question, on va prendre un autre passage, on l'a lu hier dans Genèse, par rapport à l'histoire de Rachel, Genèse 24. Et nous prenons le verset 40, 52, à partir du verset 51. Voici Rebecca est devant toi, prends-la et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme Yahvé l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna à terre devant Yahvé. Et le serviteur sortit des objets d'argent et d'or, et des vêtements, et les donna à Rebecca. Donc on voit ici, beaucoup de gens se servent de ce passage-là dans les églises, dites chrétiennes, pour réclamer la dot. Beaucoup de parents, chrétiens soi-disant, ils se disent, voilà, Rebecca a été dotée, donc voilà pourquoi Abraham a doté, Isaac a doté Rebecca, voilà pourquoi nous nous basons sur ce passage-là pour demander la dot. Mais attendez, interprétons la parole selon, n'est-ce pas, un certain nombre de contextes. Regardez le contexte ici. On nous dit que c'est d'abord Rebecca qui a pris les présents. Et ils n'ont pas utilisé le mot dot. D'accord? C'est présent. Donc, c'est elle-même, la future épouse, qui a pris de l'or, des objets d'or et d'argent, qui a pris des biens. Donc, mes amis, là, cet aspect-là n'est pas développé dans la manière, dans ces fêtes-là chrétiennes, soi-disant, dans ces mariages chrétiens. Et les femmes-là, pourquoi vous ne leur donnez pas alors des biens pendant vos dots? Et d'ailleurs, ici, on ne parle pas d'un oncle qui est venu du village, d'une tante qu'on ne voit pas et qui va débarquer parce qu'il y a le mariage. On nous dit que c'est d'abord Rebecca qui a pris, et ensuite, c'est son frère, Laban, et c'est sa mère. Et vous verrez que ce n'est même pas la famille de Rebecca qui avait exigé cela. C'était de l'initiative propre d'Abraham. C'est ce que le contexte nous dit. D'accord? Et quand on voit l'histoire de Jacob, il a travaillé 14 ans pour ses deux femmes. 14 ans. C'était, n'est-ce pas, sa manière de dire, voilà, j'ai travaillé pour, je vais travailler, sa manière de dire qu'il aimait justement sa femme, parce qu'elle n'a qu'une qu'il a vraiment aimée, c'est Rachel, et Léa lui a été imposée. 14 ans. Donc dans ce cas-là, si vous voulez vous baser sur cette histoire pour réclamer la dot, dans ce cas-là, allez travailler aussi 7 ans pour la femme que vous aimez. Allez travailler chez vos beaux-parents, 7 ans. On prend des versets bibliques, on les sort de leur contexte, on sort des révélations, soi-disant, à tous azimuts. Voilà pourquoi nos églises sont malades. Voilà pourquoi même ces pays sont malades. Parce que les églises qui sont censées apporter la lumière par la parole véritable n'apportent pas la lumière, n'apportent pas l'évangile pur. Et les gens s'excitent, préfèrent rester dans leurs coutumes et traditions. Or, l'évangile vient nous libérer de nos traditions aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Le Seigneur dit dans Matthieu 15, vous avez annulé, en parlant aux pharisiens, la parole de Dieu par vos traditions. Jérémie 10 nous dit quoi? N'imitez pas les lois des nations, littéralement les traditions des nations, les coutumes des nations. C'est pas Chora qui le dit. Ben voilà. Soit on aime Jésus et on se repent, parce que la vérité nous éclaire comme la lumière, soit on ne l'aime pas, et puis on se cantonne dans ses traditions, ses coutumes, ses manières de faire des choses, et bien un jour on aura des comptes à rendre au Seigneur. D'ailleurs,
vous parents qui demandez, vous qui êtes chrétiens bien sûr, qui demandez la dot à pour marier vos filles. Si vos filles sont chrétiennes, ne savez-vous pas que ces enfants-là ont été rachetés par le sang de Dieu? 1 Corinthiens 6, Alain, est-ce que tu peux nous lire 1 Corinthiens 6, 19, s'il te plaît? Pour qu'on sache, les enfants chrétiens appartiennent-ils aux parents ou à Dieu? Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous appartenez et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été acheté à un grand prix. Oh ! Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Vous avez été quoi ? Vous avez été acheté à un grand prix. Oh, on a été acheté. Mm-hmm. À un grand prix. Bon, Alain, tu as une fille. Mm-hmm. Ta fille est chrétienne. Mm-hmm. Elle a été achetée à un grand prix par le Seigneur Jésus-Christ, mm-hmm, lorsqu'il est mort à la croix. Pourquoi maintenant, toi, en tant que parent à qui Dieu a prêté cet enfant, pourquoi vas-tu la vendre avec les histoires de dot? Parce que ce n'est pas ta fille. Je ne dis pas que toi tu l'as fait, mm-hmm, mais je prends juste un exemple. Mm-hmm. Vous avez été acheté. Si, là j'ai ces clés, ce portable. Je vais dire c'est mon portable, je l'ai acheté. C'est à moi. Mais Alain, si je te dis je te le prête, mm-hmm, comme Dieu nous prête les enfants. Mais si tu commences à vouloir le vendre, là, mais je vais te traiter de voleur. Mm-hmm. Tout à fait. Comment peux-tu vendre quelque chose que j'ai acheté? On nous dit que notre corps et notre esprit appartiennent à qui? À Dieu. Voilà. Nous avons été non seulement achetés, mais nous avons aussi été rachetés. Mm-hmm. Les deux termes grecs sont utilisés pour parler de la rédemption. Oh Seigneur, sauve-nous. Et ensuite, mes amis, donc vous voyez bien que quand ces gens vont se servir de l'histoire de Rebecca ou de Jacob, ben ils sont toujours hors de la parole. Hors de la parole. Et, mes amis, vous me direz, frère, ben alors comment faire pour pouvoir organiser les mariages de nos enfants? Eh bien, c'est simple. C'est simple. Les Écritures nous disent que le mariage n'est pas, bien sûr, est une fête d'abord familiale. Hein, donc familial et spirituel, dans le sens où ce sont deux esprits qui se marient, qui deviennent un seul corps, deux cœurs qui se marient, qui deviennent un seul corps. Eh bien, les Écritures nous disent que ce sont les parents qui marient leurs enfants, bien évidemment. 1 Corinthiens 7 le dit. Mais quand la parole dit que ce sont les parents qui marient leurs enfants, les Écritures ne disent pas que les parents doivent les vendre. Au contraire, Paul l'a dit dans 1 Corinthiens, on l'a lu, hein, 2 Corinthiens 12, je crois que 1 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12, pardon, 14, que ce sont les parents qui doivent amasser pour les enfants. Donc quand la Bible dit que ce sont les parents qui marient les enfants, donc les parents qui amassent, ils ont mis de côté, mm-hmm, parce que beaucoup d'Européens, d'ailleurs beaucoup d'Africains, certains Africains, enfin il y a certains parents, qu'ils soient Africains, entiers, Européens, Asiatiques, le font, ils vont mettre de l'argent de côté, ils vont ouvrir des comptes, mm-hmm, hein, pour leurs enfants, pour quand ils seront âgés, de pouvoir passer leur permis, pouvoir se marier, faire leurs études. Donc ça, c'est des parents qui sont, mes amis, qui ont une bonne vision de la famille, qui sont prévoyants, organisés. Je ne dis pas que ceux qui ne peuvent pas le faire ne sont pas organisés, parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens. Donc voilà, il y a toujours un équilibre à mettre. Mais ce sont les parents qui amassent parce qu'ils sont appelés à donner leurs enfants en mariage. De sorte que le jour où les enfants vont se marier, les parents, ils vont sortir l'argent, les aider, les soutenir, voyez, les encourager dans ce sens. Et des tels parents, des tels enfants, je dirais, qui voient des parents les aider ainsi, seront fiers d'eux, témoigneront d'eux partout, voyez. Et mais si des parents commencent à mettre des jougs sur les enfants, eh bien, mes amis, comment voulez-vous que, mes amis, que nos enfants aussi soient encouragés, touchés et persévérants dans l'œuvre du Seigneur? Parce que tout à l'heure,
J'ai eu un jeune couple, parce qu'on parle pas des, nous ne parlons pas des choses que nous ne maîtrisons pas. Il y a un jeune couple, un jeune futur couple qui est venu me voir. Les parents de la jeune femme ont demandé une certaine forte somme d'argent, avec beaucoup d'autres objets. Beaucoup, beaucoup d'autres objets. Et la sœur me disait, je suis découragé, je suis fatigué. J'en ai parlé à mon papa. Cette nuit, je n'ai pas dormi. Voilà. Elle se sent condamnée. Vous vous rendez compte? Et cet enfant-là, cette sœur, qui ne veut pas être dans l'impunité, qui veut être en règle devant le Seigneur et devant les parents, devant les hommes. Et voilà comment on lui met des bâtons dans les roues. Et là, elle est malheureuse. Mais si on dit, oui, mes frères, c'est écrit qu'il faut que les enfants honorent les parents, mais honorer. Pourquoi vous liez à chaque fois l'honneur à l'argent? Pourquoi vous rattachez à chaque fois l'honneur à l'argent? Les honneurs n'ont à la base rien à voir avec l'argent. Honorer quelqu'un, ce n'est pas lui donner des milliards. Parce que sinon Dieu ne dirait pas, n'est-ce pas, que le Seigneur ne dirait pas que, que ces riches qui avaient donné beaucoup n'étaient pas du tout acceptés par le Seigneur, n'étaient pas du tout honorés, n'est-ce pas? Sinon le Seigneur ne refuserait pas, mes amis, les offrandes de ces hommes riches dans Luc 21. L'honneur, les honneurs, c'est d'abord le fait, n'est-ce pas, de considérer quelqu'un. C'est considérer quelqu'un, un enfant qui va considérer son père en refusant de lui manquer du respect, en lui parlant avec respect, en priant pour son père, en priant pour sa mère. Et pour nous, pour beaucoup de gens, honorer quelqu'un, c'est lui donner de l'argent. Et c'est pour cela, les gens vont dire, il est écrit, enfin, honorez vos parents, obéissez à vos parents. Mais Paul dit, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Sortons un peu de cet amour de l'argent. Sortons un peu de cet amour pour le matériel. Et c'est ça le problème. C'est que beaucoup sont attachés au matériel, à l'argent. Ce qui fait que honorer, c'est donner quelque chose. C'est pas d'abord ça, c'est d'abord considérer la personne. Témoigner de l'amour vis-à-vis d'une personne. De la considération, être à l'écoute d'une personne. Et maintenant, si les enfants doivent aider les enfants, les parents financièrement, matériellement, ben ils ne vont pas le faire seulement, ils vont le faire tout au long de leur vie. Voilà. Et si la famille de la femme dit... Non, nous demandons, nous voulons être honorés parce que c'est notre fille. Dites-moi maintenant, et la famille de l'homme? Moi, j'ai trois garçons. Ces enfants, mes enfants, quand ils étaient malades, on les a aidés. Dieu nous a soutenus, on les a encouragés. Ils sont à l'école, on les soutient. Quand ils viennent me voir, papa, j'ai besoin d'argent de poche, on va donner. Maintenant, le jour où ils vont se marier, et leur belle famille vont venir nous voir pour nous dire, eh ben, faites tout pour nous honorer avec les biens, avec l'argent. Eh bien, nous alors, nous ne méritons pas d'être honorés dans ce sens aussi. Parce que nous n'avons pas investi dans leur vie. Parce que nous n'avons pas souffert pour leur éducation. C'est quoi cet évangile-là? C'est quoi cette justice à mes amis, à géométrie variable? Ça, ce n'est pas l'évangile. Nous allons lire Matthieu 5, 12. On finit dans quelques minutes. Ensuite, on va prendre deux ou trois coups de fil. Et Matthieu 5, 12, on va relire encore cela. 7. Matthieu chapitre 5, 7, verset 12, voilà. Matthieu 7, 12. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tu veux que ta belle famille... Toi qui es le père d'une fille, tu veux que ta belle famille donc, te donne une dot. Tu es chrétien. Mm-hmm. Tu dis que tu es saint, tu es juste, que tu aimes la parole. Mm-hmm. D'accord? Eh bien, dans ce cas-là, il faudrait aussi que tu donnes une dot à la famille de l'homme. Mm-hmm. C'est ça la justice. Le Seigneur dit, car c'est la loi et les prophètes. Voilà. Et ce n'est pas la loi mosaïque, hein, c'est la loi divine. La loi de Christ, le principe de partage.
Voilà, tu me donnes, je te donne. C'est ça la parole de Dieu. Nous nous sommes convertis grâce à l'Esprit et Dieu nous, Dieu nous appelle à être intègres, à être justes, à être corrects. Et on ne peut pas se dire, nous allons nous entendre pour arrêter des choses sur la terre afin que Dieu les approuve. Ce n'est pas ça l'évangile. Non. Quand le Seigneur dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, il ne parle pas de lier les démons comme on l'a compris hier, comme on l'avait compris hier. Il ne parle pas de prendre des décisions charnelles pour pouvoir les imposer au ciel. Il parle d'ouvrir les portes des nations à l'évangile. Il parle, et c'est ce que Pierre a fait. Vous ne verrez pas Pierre, Jacques, Jean ou un apôtre utiliser Matthieu 18 pour aller fermer ou exiger la dot aux gens en disant « Voilà ce que le Seigneur a dit, si on prend cette décision, Dieu va approuver. » Ce n'est pas ça l'évangile. Il est temps qu'on quitte nos traditions, nos coutumes, qu'on sorte des choses qui sont, n'est-ce pas, qui ont un rapport avec la sorcellerie, avec la cupidité, n'est-ce pas, et qu'on arrête de dire aux gens « Honorer quelqu'un, c'est lui donner une veste. » C'est lui donner une boisson. C'est pas ça être honoré. Voilà. Ce n'est pas ça être honoré. Sinon Pierre, sinon Paul ne dirait pas dans 1 Corinthiens 13, quand bien même je donnerai mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Honorer quelqu'un, c'est lui témoigner l'amour d'abord. Voilà ce que la parole nous dit. Et j'insiste que tout au long de leur vie, les enfants vont honorer, vont encourager leurs parents, les assister si ce sont les besoins. Ce n'est pas un problème. Mais arrêtons avec l'arnaque. Arrêtons avec le mensonge. Voilà. Donc, je ne sais pas si nous avons quelqu'un en ligne ou si quelqu'un veut partager pour qu'on puisse clôturer. Voilà. Déo. Moi, j'ai à cœur de lire seulement un passage vite fait. Matthieu, chapitre 19. Matthieu 19. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 1er, je lis. Et il arriva que, quand Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain. Et des grandes foules le suivirent et il guérit des malades. Verset 3, alors les pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver et ils lui dirent, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Et il répondit et leur dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne seront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. Ils lui dirent, pourquoi donc Moïse a-t-il demandé de donner la lettre de divorce et de répudier sa femme? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Voilà. Donc ici, c'est un peu le même problème. Les pharisiens disent, mais le divorce, on peut divorcer. D'ailleurs, Moïse, dans la loi, a dit, c'est biblique. Mmh. Et Jésus dit, non, ce n'était pas ça la pensée de Dieu au commencement. De même pour la dot, notamment pour la sœur qui nous a pris du temps, et pour tous ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on cherche à savoir qu'est-ce que la loi a dit, qu'est-ce que Léa avait fait, ou bien on cherche la pensée de Dieu au commencement? Quand nous lisons la Bible, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu crée le jardin, il met tout, il met l'homme, et il prend sa fille Ève et la donne gratuitement, sans rien demander. Si nous sommes des enfants de Dieu, voici le Père que nous devons imiter. Et là, je comprends pourquoi Dieu dit, si vos parents méchants qu'ils sont. Mm-hmm. Effectivement, on est méchants. Parce que si on avait le cœur de Dieu, on se serait comporté comme lui. Comme Dieu. Comme Dieu. Et au contraire, c'est nous qui aurons tout donné, c'est les parents qui auraient tout donné à leurs enfants pour qu'ils vivent bien. Et Pierre dit quelque part, ce n'est pas par des vaines choses que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre, de vous conduire de vos parents. Toutes ces traditions, nous les avons héritées de nos parents. Et c'est ça que Pierre dit. Mais pourquoi dès le moment que nous sommes rachetés à Christ, nous n'avons pas cette humilité de quitter simplement ces traditions à cause du prix que Jésus-Christ a déjà payé pour nous? Et moi, je pense qu'en gros, c'est un problème de conversion. C'est un problème d'aimer Dieu et d'aimer sa parole. Je sais particulièrement aussi pour les gens d'origine du Congo, comme je le disais, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignements, surtout chez les femmes. On leur dit que si tu n'es pas doté, c'est que tu n'as pas de valeur. C'est faux. Tu as la valeur que Christ te donne. Et pour certains, on sait bien c'est que dans ces... Même, c'est pas... La sœur disait...
je disais que ce n'est pas seulement au Congo, même au Gabon, tant qu'une femme n'est pas dotée, son mariage n'a pas de valeur, quoi. C'est généralement en Afrique, c'est ça. Et c'est pourquoi ce message fait mal. Et comme le frère l'a dit, beaucoup se sentent condamnés. Ce n'est pas ça le but du message. Si vous l'avez pratiqué, répondez-vous, comme on l'a fait tous. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, comme on l'a fait pour la dîme, au lieu de chercher des versets, alors que dans son cœur, on sait que ce n'est pas ça. Et tout le monde est conscient. Ils sont conscients, ceux qui suivent. Ils savent que ces histoires des dots, c'est de la sorcellerie. Ils le savent. Parce que très souvent, quand il y a des problèmes et que la femme n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les oncles et tous ceux qui ont participé à la dot et des chrétiens convertis, responsables dans les assemblées. Et on demande à la belle famille pourquoi l'enfant n'accouche pas. Donc, ils reconnaissent qu'il y a une mainmise spirituelle qui est mise là-dedans. Et même les parents qui disent, moi, je ne veux pas, mais la famille du père. Non, c'est parce qu'il a peur que la famille du père, les sorciers de la famille, puissent embêter le couple. Et c'est là où on se voit qu'on n'a pas compris ce que Christ a fait pour voilà. nous à la croix. Ils connaissent pas leur identité. Et c'est pourquoi on ne connaît pas notre identité. Ouais. Donc, c'est ce mélange de tout. Mais que Dieu nous aide. Voilà. Et tu as dit quelque chose qui est très, très vrai. Et c'est-à-dire le Père Céleste, quand il a donné Ève à Adam, il ne lui a rien exigé, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Hein, et les deux deviendront une seule chair. Et Christ a fait, par l'œuvre de la croix, il nous a ramenés au commencement. En fait, c'est ça que beaucoup n'ont pas compris. C'est pour cela que la parole, quand elle vient comme ça, eh ben, elle rencontre de l'opposition à Il y a les traditions qui s'opposent. Comme quand le Seigneur est venu, on lui disait, non, cette parole est dure. Certains disciples disaient cela. Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Ils sont partis. Et le Seigneur n'était pas là pour plaire aux gens. Voilà. Et je le dis haut et fort, ce n'est pas de l'orgueil, mais je le dis haut et fort, nous ne voulons pas prêcher pour plaire aux gens. Si quelqu'un estime qu'il n'est pas d'accord, c'est sa liberté. Tu n'es pas d'accord avec ce qui est partagé, c'est ta liberté. Nous sommes un peuple libre. Mais si cela ne te concerne pas, si pour toi tu estimes que ce message n'est pas pour toi, ben laisse ceux qui sont sous les jougs être libérés. Voilà, c'est comme ça. Et je dis bien, TV de Vie n'est pas une église. C'est pas une église, c'est une plateforme que le Seigneur a donnée pour que l'évangile soit proclamé, afin que ceux et celles qui cherchent le Seigneur puissent y trouver ce dont ils ont besoin et qu'ils aillent à leur tour partager ici et là ce que Dieu leur communique. Et c'est vrai, parce que les gens, il y en a qui disent, oui, nous sommes d'accord que on a compris le message, mais ils ont en même temps peur qu'ils ne soient ensorcelés par leurs oncles, par leurs cousins, leurs tantes, leurs grands-pères, parce qu'ils n'auraient pas, chacun n'aurait pas sa part. Mais vous voyez, c'est quand même impressionnant, quoi. Je veux dire, effectivement, si vous connaissiez l'œuvre de la croix, ce que le Seigneur a fait pour vous, votre identité, votre position dans le royaume de Dieu, nous sommes ressuscités et assis dans les lieux célestes en Christ. Personne ne peut vous toucher. Paul le dit, car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la maladie, ni les démons, ni la faim, ni la famine, ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Et le Seigneur a dit, personne ne peut nous ravir de ses mains. Voilà. Voilà. Prenons position pour la vérité. C'est ce que beaucoup de chrétiens évangéliques n'osent faire. Prenons position pour la parole de Dieu, ce que beaucoup n'osent faire parce qu'ils ont peur. Ils n'osent faire parce qu'ils ont peur de réactions, de ce que les uns et les autres vont penser. Voilà. Donc, il faut qu'on soit véritablement dans la parole de Dieu. Donc, on se marie, bien sûr, selon la parole. Les parents qui marient leurs enfants, qui les encouragent, qui investissent dans leur vie, financièrement, matériellement. Des parents, des enfants qui vont bien sûr à la mairie pour, il faut le faire, s'il y a des lois qui l'exigent, ben on va devant le maire de sa ville pour officialiser l'union. Et ensuite, si vous voulez qu'il y ait une prédication, gloire à Dieu, comme Paul dit, hein, en toute occasion, favorable ou non, prêchons la parole, il n'y a pas de souci. Et vous êtes déjà bénis, bien sûr, parce que le mariage en soi est déjà une bénédiction. Voilà. Voilà ce que la parole nous enseigne. Et il n'y a pas que l'Afrique qui demande la dot. Il y a aussi, bien sûr, l'Inde, hein, donc, et certains pays aussi, peut-être en Amérique latine. Et voilà, donc ce sont des coutumes qui viennent des hommes, tout simplement. Alors, pour finir, quelqu'un dira, comme je l'ai entendu hier, mais oui, mais c'est biblique, la dot est biblique. Mais oui, mais mes amis, la dot est dans la parole. On la voit dans les Écritures parce que la Bible, c'est aussi l'histoire. Il y a de l'histoire dedans. Voilà. Il y a des traditions d'hommes ou de Dieu dans ce livre-là. Et il y a... Parce que Paul parle des traditions d'hommes. Et dans les Écritures, on voit aussi... Et comment dire, la polygamie.
Donc, dans ce cas-là, si je vous dis, oui, la polygamie est dans la Bible, est biblique, est-ce pour autant maintenant, aujourd'hui, qu'on va commencer à être polygame? Parce que Dieu lui-même dira à David, quand il a pris la femme de Bathsheba, la femme d'Uri, Dieu lui dira même, c'est écrit dans la Bible, si tu m'avais demandé une autre femme, je te l'aurais donnée, sachant qu'il en avait au moins quatre déjà. Dieu lui-même dira, si tu n'en avais pas assez, j'en aurais rajouté. Donc, si vous commencez à voir ce raisonnement en disant la dot est biblique, eh bien, dans ce cas-là, mes sœurs, vous qui vous êtes vous opposez à la vérité, hein, je vous dirais que vous êtes mal barrés dans ce cas-là parce que vos maris risquent aussi de vous dire, hein, ou d'autres personnes, eh bien, la polygamie est biblique. Salomon a eu 1000 femmes. Eh bien, moi, je vais, chérie, laisse-moi en avoir plusieurs dans ce cas-là. Ah oui? Vous voyez bien qu'il y a des choses que Dieu a tolérées parce que la loi n'était pas encore révélée. La parole le dit. Mais quand la loi de Dieu a été révélée, ces choses-là ne doivent plus être pratiquées. Comme la dîme. Quand on dit c'est biblique. Mais oui, mais comme la polygamie. Comme beaucoup d'autres choses. Comme tuer quelqu'un parce qu'il a tué ton proche. Un enfant à toi ou je ne sais pas. Œil pour œil, dent pour dent, c'est dans la Bible. Pourtant, on ne les pratique plus. Il y a beaucoup de choses qui sont bibliques et qui ne sont plus pratiquées aujourd'hui, qui ne sont pas néo-testamentaires, comme la dîme, comme les femmes qui avaient leur menstrue, dont l'entrée du temple était interdite. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont bibliques, mais qui ne sont plus observables aujourd'hui, parce que à partir de la croix, le Seigneur nous a fait rentrer dans un nouvel âge, dans un autre temps. Dans un autre régime, voilà ce que les Écritures nous disent. Ces choses-là du passé sont là pour qu'on sache à peu près d'où nous venons, tout simplement. Voilà. Je ne dis pas que si un homme a eu à cœur d'aller acheter un parfum pour offrir à sa belle-mère, que c'est un péché, c'est pas ça. Il ne faut pas faire d'une initiative personnelle, une doctrine qu'on doit imposer à tout le monde. Voilà. Que Dieu soit béni. Donc, vous voulez appeler juste deux coups de fil et on clôture l'émission. Dieu nous a, je pense, vraiment fait du bien. Alors, je ne sais pas, Alain, quelque chose à... Non, je pense que ça va. Tout a été dit. Hein? Je pense que ça va. Gloire à Dieu. Mm-hmm. Est-ce que nous avons quelqu'un en ligne, l'équipe technique? Que Dieu soit béni, Benoît. En tout cas, mes amis, diffusez massivement cette vidéo. Et je voudrais encore répéter... Ne nous appelez pas pour nous faire de menaces, parce que ça ne marchera pas. Vous nous avez connus dans ce message, dans la vérité, prêchant ce message, le retour à la parole, la sanctification, on continuera dedans. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a dit, personnellement m'a dit, quitte les assemblées pour ne pas être contrôlé par qui que ce soit. Pour crier, afin que son peuple soit libéré. Rappelez-vous bien que le Seigneur m'a dit, va et libère mon peuple. J'annoncerai le Seigneur, je parlerai du Seigneur. S'il me dit parle de la dot, j'en parlerai. S'il me dit parle de la sainteté, je parlerai. S'il me dit parle de l'enlèvement, j'en parlerai. S'il me dit parle du péché, j'en parlerai. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, à partir de lundi prochain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, n'est-ce pas? Il y a, c'était la semaine de la parole. Hein, donc l'équipe technique est déjà avertie. Merci Laurent. Et pour... partager la parole avec les frères qui sont ici, avec des amis qui sont là, mon frère Pierre du Canada, mon frère Alain et d'autres qui sont là. Que Dieu soit béni. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir les frères. Ouais. Oui. Oui, déjà je bénis le Seigneur pour cet enseignement. Et je crois par la grâce de Dieu que cet enseignement vient du Seigneur. Amen. Oui, parce que particulièrement moi, je suis originaire du Gabon et il y a beaucoup de pratiques qui se font autour de ça, des pratiques abominables qu'on ne peut peut-être pas expliquer maintenant. Mais j'ai quand même une question sur ça. Oui, allô? Oui, on est là. Oui, je dis que j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tous ceux qui, par exemple, vont payer la dot, en fait, pêche. Bon, et c'est une très bonne question.
C'est sûr que tout est relatif. Je m'explique. On sait tous que généralement, en général, quand on demande de l'argent comme ça, c'est parce qu'il y a la cupidité. Oui. Voilà. Donc, dès l'instant, il y a la cupidité. La cupidité est une idolâtrie. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est le péché. Maintenant, quelqu'un qui ne savait pas que la dot n'était plus exigeable, ne peut plus être exigé aujourd'hui, et qui va demander quelque chose de symbolique, comme, genre juste un stylo comme ça, on ne va pas dire qu'il a péché. Okay. Voilà. Mais même quand c'est symbolique, il n'y a pas de verset qui en parle. Donc dans ce cas-là, il faudrait que ça soit réciproque. Donc il faudrait qu'il y ait une réciprocité. Donc, mais sinon, en général, quand on demande de l'argent, derrière ça, il y a quand même... voilà, donc il y a la cupidité, c'est pas ça quoi. Donc de toute façon, on comprend aujourd'hui que il faut pas l'exiger, tout simplement. Si on est chrétien, si on aime la vérité, il faut être libéré de ça. Ok. Mais également aussi, il y a des situations, par exemple, des situations où les deux prétendants sont issus des familles inconverties. Oui. Et c'est là justement que, comme je disais hier, et c'est là que les témoins de Jéhovah ont des leçons à donner à beaucoup de personnes. Je ne valide pas leur doctrine, attention. Et, ils sont dans l'erreur dans beaucoup de choses. Hein. Donc voilà, c'est... Mais néanmoins, ces gens-là, ils prennent position pour leurs convictions. N'est-ce pas? Donc quand il ne faut pas fêter la Noël, cette fête-là, ils ne font pas ça. Ils prennent position, même s'ils sont dans l'erreur sur pas mal de choses. Comme d'ailleurs certains religieux qui sont assidus. Oui, oui. Quand on voit certains catholiques, même si c'est une doctrine impie, mais quand on voit certaines femmes catholiques comment elles s'habillent avec beaucoup de qui s'habillent décemment. Et que celles qui sont soi-disant spirituelles, évangéliques, parlant en langue, prophétisant, elles s'habillent comme des véritables prostituées. On se dit, mais il y a un problème là. Donc on voit bien que il y a vraiment un décalage. Il y a vraiment un décalage entre ceux qui se disent attachés à la parole de Dieu, notamment les évangéliques, les églises dites de réveil, qui prophétisent à tout va, et ceux qui sont religieux, comme les cathos, les catholiques, ou religieux dans le sens où il y a vraiment l'idolâtrie qui est visible avec des statues, tout ça. Là. Donc, je crois qu'il faut tout simplement, avec beaucoup de simplicité, tout simplement qu'on revienne à Dieu et qu'on le laisse nous guider. À Lyon, et j'espère que nous allons longuement partager par rapport à ça, parce que je crois que en fait, les écailles doivent tomber en fait, parce qu'il y a beaucoup qui sont attachés, comme je disais par exemple que moi je reviens du Gabon, et là-bas j'ai mon oncle qui est pasteur. Et voilà. Pardon, tout à l'heure tu disais par rapport aux païens, les parents qui sont païens, il faut que les chrétiens d'abord prennent position, il ne faudrait pas qu'ils manquent du respect à leurs parents. Oui. En leur parlant de manière tout à fait charnelle, orgueilleuse, et irrespectueuse, il faudrait qu'ils prient d'abord pour eux. Amen. Et nous croyons que Dieu peut toucher des parents. Et on a des témoignages des parents qui ont changé de comportement, de langage, de vision, de position. Donc il faudrait qu'ils prient pour eux et puis qu'ils prennent position pour la vérité. D'où justement la persécution. Amen. Voilà. Okay. On se voit le 27. On sera avec Alain et avec l'équipe. Dieu. Merci. Okay. Et frère. Allô. Oui. Ouais, j'aimerais aussi que vous passiez mes salutations au frère Alain. On se connaît par la grâce de Dieu. Que vous lui saluez de ma part, de la part d'Evrard, si ça ne vous dérange pas. Il est là, il entend. Je t'ai reconnu, mon frère. Bon. Faites grâce à vous, que le Seigneur vous garde et qu'il vous fortifie et qu'il vous donne davantage la force d'aller de l'avant. Merci. À bientôt, tous les frères et sœurs qui aiment la vérité. Pensez à nous dans vos prières. Que Dieu vous garde et merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Que Dieu vous bénisse au nom de Yeshua. Amen.